c'est ce que j'appelle de la musique. Stop! Vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? Suzy, qu'est-ce que tu fais? Qui sont ces gens? N'entre pas sur ma propriété. Nous étions d'accord là-dessus. Ce sont des travailleurs. Ils m'ont aidé à m'embellir ma pièce. Décoré? Mais pourquoi t'as fait autant de travailleurs? C'est pas comme si tu construisais un palais. Comment le serais-tu? Peut-être c'est un palais. Donne-moi le plan. Ouais. Donne-moi le plan, là. Donne-moi ça. Stop, tu ne peux pas franchir la ligne. C'est très bien, j'ai déjà terminé. Merci. Voilà, c'est pour vous. Oh, sacré plan. Je vais te montrer comment transformer une pièce en quelque chose de beaucoup plus cool. Je peux faire une maison cool sous le lit, hein, rien de temps. Ouais. Comme ça. Et j'ai pas besoin de travailleurs. Mais quoique, c'est pas très parti pour les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? C'était mon idée. Oui, une maison sous le lit, honte à toi, voleuse. Ce n'était pas ton idée de faire une maison sous le lit. Alors ne m'en veux pas. Alors, c'est bien plus cool ma maison, je sais. Je te donne la permission de me regarder et d'être jalouse. Je passe un très bon moment ici. Ouais, bien sûr. Moi aussi, je vais me faire un endroit très cool. Waouh! Des réductions sur les jouets? Je devrais visiter cette boutique. Bah les pattes, ne touche rien. Vous ne pouvez que regarder. D'accord, d'accord. Je ne faisais que regarder. Personne n'ose prendre mes jouets. Surtout gratuitement. Wow! Il y a des Huggy Wuggy! Les mains! Ouais, je me souviens. Wow! Il y a un énorme Huggy Wuggy! Bien sûr, il est tellement cool! Je n'ai pas autant d'argent, mais je pense que je vais résoudre ce problème avant que le gardien ne le voie. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que quelque chose ne va pas. Mais quoi? Salut! Ça va? Ah! Un jouet qui parle! À l'aide! J'ai besoin d'aller de toute urgence dans ma chambre secrète! Quelle horreur! J'espère que personne ne me trouvera ici! Je peux me détendre et me reposer! Bonjour, petit canard. Tu devrais savoir ce que je viens de voir. Mais quelle lâche! Mais j'ai pas une voleuse. Alors, voici tout l'argent que j'ai. J'espère qu'il y en aura assez pour quelque chose. Suzy, sois prête. Maintenant, j'ai quelque chose à mettre sous mon lit. Et c'est quelque chose de beaucoup plus cool que le plaid ordinaire. C'est un plaid Huggy Wuggy. Oui, je sais, un peu bizarre. Il est maintenant temps de décorer la chambre avec des posters et de toutes sortes d'autres trucs sympas pour créer une atmosphère chaleureuse. Oui, j'en aurais bien besoin aussi. Ah, ma maison a l'air plus cool que la tienne. Ça ne sera pas pour longtemps, je pense que je vais trouver un moyen de rendre la pièce plus jolie. Oh, qu'est-ce que t'as construit? Papa, je peux avoir un sac? Non, j'ai besoin d'un sac rose et pas un sac à dos. Je veux être une écolière et pas un écolier. Merci beaucoup, t'es très gentil. Oui, c'est magnifique. Ils ont construit un vrai palais. Oh, c'est qui, bon sang? Ouais, Huggy Wuggy est aussi une excellente protection contre tous les intrus. Bon après-midi, j'ai finalement emporté mon essai. Vous pouvez le vérifier? Bien sûr, il est grand temps. T'es vraiment intelligente. Vous devez avoir faim. Vous voulez une pomme? J'ai juste ce qu'il faut. Je ne dirai pas non. Oh, désolé. J'ai pas fait exprès. Ouais.
Donnez-moi dans les mains la prochaine fois. Oui, c'est ma chance, je suis désolée, mais j'ai besoin de la planche. Je l'ai trouvée. Hé, t'es où? Elle est au mon tableau. Et comment je vais enseigner aux enfants? Bon, l'important de ne pas s'inquiéter, je connais un moyen de faire sortir toutes mes émotions. Tiens, tiens! Ouais, une pomme, tu dis? Tiens pour la pomme et tiens pour le tableau. Ah, Monica! Jess, maintenant j'ai quelque chose de bien plus cool que les posters. Je peux faire toutes les affiches que je veux. Regarde, envie-moi. Quoi? Mais d'où t'as ça? Et pourquoi t'en as besoin? Tu ne sais pas comment dessiner. Ah, je sais pas dessiner. Mais comment tu oses? Ah, je devais te montrer. Qu'est-ce que t'as? Ah, ça te va très bien. Comme si c'était à ce que tu devais ressembler. Très drôle. Tu me donnes envie d'aller me laver. L'idée du tableau noir était géniale. Qu'est-ce qui pourrait être plus cool qu'un énorme dessin que tu peux toujours changer? Il reste à compléter la chambre avec des différents jouets mignons. Par exemple, cette lampe à forme de licorne. Une lampe qui a besoin de ta lampe quand t'as la guirlande entière. Regarde et apprécie. Ouais, c'est magnifique. Wow, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que je vais faire? Ma licorne a l'air pathétique. C'est sûr. Elle n'est pas comparable à ma guirlande. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai aussi besoin de quelque chose de cool. Je pense que je sais où l'obtenir. J'ai un ami? Je suis le Hulk, le méchant et effrayant Hulk. Et content, tu peux m'aider? J'ai besoin de cet ours là-bas. Je vais peut-être le prendre. Mon ours en peluche? Je l'adore. Alors non, no. Tu ne peux pas. Pour qui crois-tu être aussi avide? Et si je te donnais le Nutella par exemple? Oui, je ne suis qu'un enfant, mais même moi je réalise que c'est un peu trop petit. T'es si crétin! Et les chips? Gros Pringles? Des chips? Oui, je ne dirais pas non aux chips. Non. Mais ce n'est pas suffisant, nous avons besoin d'autre chose. Encore? Bon, il ne reste qu'un seul de crème glacée. Ça te suffira? Ouais. Donne-le ici. Je peux avoir l'ours? Ouais. Mais donne-moi la glace. Oui, merci beaucoup, Quentin, je dois y aller. Qu'est-ce que c'est? Où est la crème glacée? Alors t'essaies de me piéger, hein? Je vais te montrer comment tromper Quentin. J'ai besoin d'aller à la loge tout de suite. Oh, mes fidèles aides, cette mime m'a trompé. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Comme dessiner une moustache sur une photo. Ah, je vois que Pikachu est vraiment heureux. Ouais! Bien fait pour toi, Suzy la tricheuse. Oh, je suppose qu'elle n'a toujours pas réalisé que je l'ai piégé. Mais j'ai bien eu l'ours. Enfin, je vais pouvoir me faire un vrai ciel. Des nuages qui brillent de différentes couleurs. Yeah. Oui, c'est magnifique. Il faut juste de l'éclairage. C'est très beau. Oui, j'adore ça. C'est mieux qu'une guirlande lumineuse. Je vais avoir faim. Alors un frigo rempli de toutes sortes de bonnes choses ne ferait pas de mal. Un frigo? C'est vrai. Mais c'est pas suffisant pour moi. Je pense que je sais où je peux trouver un. Maman, je suis désolée. Je vais le récupérer plus tard.
chihuahua avec ce gros frigo. Il n'y a jamais assez de nourriture. Quoi? What? Où est le frigo? Où sont les nachos? Je ne comprends rien. Non, mais tous les trucs pour les invités, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas tourner le dos une minute. J'espère que je pourrai au moins sauver le gâteau. Stop! Ma fille, je savais que c'était toi! Oh, je suis tellement en colère! C'est bon, j'ai besoin d'aller dans ma cabine tout de suite! Quoi de neuf, l'araignée? Je suis venue pour soulager le stress. Tu devrais savoir comme c'est difficile avec cette brute, mais si je peux oublier tout ça et me détendre. Voilà, c'est ce qu'il faut. J'aime bien ça. T'étais où? Pourquoi t'as le gâteau? T'es juste jalouse parce que tu n'as pas de gâteau. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais boire du thé avec les ragi-wagi. Non, arrête. Tu ferais bien de partager avec ton ami. Comme je suis fatiguée de rester allongée. C'est cool d'avoir une télé. Tu peux regarder tellement de choses cool. Oui, regarde, Jess. C'est vrai. J'ai besoin de la télé. Oh, j'ai tellement faim. Il faut que je prenne quelque chose. J'ai vraiment besoin de la télé. J'espère que papa ne va pas se fâcher, vraiment. Oh! Salut, ma fille, ça va? Salut. Oh, t'inquiète pas, je viens de voir la télé, t'es de travers. Oh, merci beaucoup. Attends, où est ma télé? Voleuse! Non, mais en plein milieu de la journée, on t'attoie. Chérie, je t'ai apporté quelque chose à boire, tu veux du coca? Ah oui? C'est bizarre, je sais où il est. Oui, j'ai tout compris. Oh, fermez la porte, on t'avoue. Qu'est-ce que t'as fait? C'est la télé de papa. Mais tu n'as pas honte de toi? Moi? T'es juste jalouse de moi. Maintenant, je peux regarder, écouter ce que je veux. Bon? Non, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est cool. Oh, génial! Oh, je suis déjà fatiguée. J'aime ma nuit. Et moi, je vais m'amuser comme une folle. Regarde ce que j'ai apporté. C'est une vraie bataille de danse. Je te rien, hein, rien de temps. Regarde et apprends. Oh, ce n'est rien de génial. Je vais gagner, moi. Comme c'est amusant. Oui, c'est très amusant. On a gagné! Félicitations. Oui, ma sœur. Il faut qu'on fasse cela plus souvent. C'est vrai. Vas-y, on continue. Bonjour à tous. Laisse-moi t'expliquer les règles du jeu. Où est-ce que tes enfants se cachent dans les boîtes? Je les vérifie avec mes outils. Je suis sûre que personne ne me retrouvera jamais. Je me cache parfaitement et je n'ai pas à m'inquiéter. Même si je me fais prendre, je n'abandonnerai pas. Maman, j'ai tellement peur. Je dois écouter ce qui se passe dehors. J'aimerais mieux de faire un coup et de regarder. Super, maintenant je me sens un peu plus en sécurité. J'ai tout sous contrôle. Cherche la cible. Je cherche la cible. Je vois un mouvement des yeux. En route pour le but. Oh, ça! Je me suis trahie! J'aurais dû rester assise.
Je ne vois aucun mouvement des yeux. Cible perdue. Je vais essayer de coucher cette case ici. Oui. Et je commence à vérifier. Tiens, prends ça. S'il y a quelqu'un là-dedans, il a des problèmes. Maintenant, je vais sauter sur cette boîte pour faire une bonne mesure. Oui, je ne voudrais pas être dans cette boîte. Je vais être silencieuse. Oh, je ne vais pas bouger, je ne vais pas respirer, j'ai tellement peur. La boîte est détruite. C'est vide. J'ai eu la mauvaise cible. Je vais devoir continuer à chercher. Eh bien, c'est encore plus intéressant. Il est temps de choisir un outil pour le deuxième test. Je vais prendre le pistolet à eau. Oh, pas ça. Je pense que je suis proche de l'échec. Oh, non, j'ai tellement peur. Mon Dieu, c'est le bruit d'une arme à feu. J'ai eu la chance la dernière fois. Mais non, c'est une arme, ça. Arrêtez de jouer au jeu de l'enfant. Je suis sérieuse cette fois-ci. Je cherche une cible, vérifie le mouvement. Ah, cette boîte tremble. Le feu, le feu, le feu. Pas ça, pas ça, pas ça. Oh non. Pas perdu, les mains en l'air. Oui, je suis bien. Il est temps de choisir une arme plus sérieuse. La dynamite? Non. Je vais chercher autre chose, un ballon. Oh, non. Continue à chercher. Les lunettes, laser, génial. C'est parfait. Il est temps que les GCC. Je suis sûre qu'elles m'iront bien. Oui. Et je vais à la chasse. Oh, allume-toi. Pourquoi le laser si fort? Oh, je crois que... Oui, j'ai brûlé un peu les boîtes. Eh bien, c'est bon pour moi. Je crois que je sens quelque chose de louche ici. Il faut sentir qu'est-ce qui se passe. Quel cauchemar. Elle a des lunettes laser. C'est vide. Il faut continuer à chercher. Pas encore, elle vient vers moi. Il faut trouver quelque chose. Oui, j'ai une idée. Je vais appeler les secours. Ils vont me faire sortir. Les gars... Ne soyez pas silencieux, je veux vraiment vous voir. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette boîte. Oh non, je ne peux pas recevoir le signal. Lucie, salut. Comment ça va? Aidez-moi, j'ai vraiment peur. Tu peux m'entendre? Je suis dans une boîte. Je ne pense pas que tu devrais crier comme ça. Mais pourquoi pas? Désolée Lucie, mais je dois devoir me débarrasser de toi pour ne pas être expulsée du jeu. Oh non, non, quelqu'un m'appelle. J'attends un appel téléphonique. Je suis sans route. Je pense que le son venait d'ici. Salut, c'est bon de te voir. Oups. Salut, Lucie. Je te cherche depuis si longtemps. Nouveau tour. Nouvelle arme. Cette fois, j'ai choisi le marteau gonflable. Oh, ça fait mal. J'ai aussi mordu le doigt. La boîte bouge. Je crois que j'ai une nouvelle cible. Je me suis dévoilée. Elle se rapproche de moi. Je suis déjà là. Elle est temps de tester mes intuitions. Ouais. Oui, j'ai fait un trou dans la boîte. C'était ma seule chance de m'échapper. Je t'ai eu. Prends ça. Je t'ai eu. La boîte est vide. Mais j'ai vu... Comment? Elle bouge. Je comprends pas. Est-ce que j'ai manqué? Je continue à rechercher. Je me suis réussi à m'échapper. On dirait que la chance est de mon côté. Il faut que je trouve une nouvelle boîte avant qu'elle me remarque. C'est bon, je l'ai ouvert, super. J'aimais me mettre à l'aise. Oh, comme c'est cool. Oh, je crois que quelqu'un respire. Oh, bonjour, désolée, je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Bombe. Ou gâteau? Gâteau ou bombe? Je pense que le choix est évident. Cette fois, je vais jouer gros. Détecteur de mouvement activé. Oh, pousse-toi! Nous devons travailler ensemble. Nous serons solides et retrouvés. Le mouvement est fixe. Je vois la cible. Maintenant, je sais où planter la bombe. Je vise. Trajectoire tracée. Feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! C'est une bombe à retardement! Oh non! C'est à cause de toi! Je suppose que je n'avais pas tort.
moins 2 en même temps. C'est de la chance. Oh non, on a perdu. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais je pense que nous ferions mieux de nous cacher à nouveau. J'ai peur que cela ne serve à rien. Vous êtes toujours dans le jeu. Où sommes-nous? Je pense que nous avons réussi à nous échapper. Dépêchons-nous de nous cacher au cas où elle nous rattraperait finalement. Je vais me tenir ici. J'espère qu'on ne peut pas me voir. Que quelqu'un me donne un coup de main. Je ne peux pas monter là-haut. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas encore eu le temps de me cacher. Stupide piscine. Tu peux me voir en dessous. Que faire? J'ai perdu. Waouh. Tes pinceaux et de la peinture? Je pourrais en avoir besoin. Les gars, dépêchez-vous. Venez ici. J'ai une idée. Nous pouvons l'utiliser pour nous camoufler. Excellente idée. Père, tu t'en sors très bien. Nous en prendrons pour être assortis au meuble et personne ne nous trouvera jamais. Oui, nous allons simplement distraire dans l'espace. Salut les gars. Oui, je suis déjà là. Je peux vous voir bientôt. Bizarre, on dirait que la pièce est vide. Mais je n'abandonne pas. Il est temps de choisir une nouvelle arme. Cette fois, je vais utiliser un ballon à eau. Voyons s'ils peuvent éviter de les rencontrer. Les gars, j'ai une surprise pour vous. Vous voulez le voir? Personne répond. Il faut activer le détecteur de mouvement. On dirait que c'est passé. Elle m'a pas vu. Voyons voir. C'est clair pour l'instant. Aucun mouvement détecté. Eh bien, je passe à autre chose. Oh, je peux enfin respirer. Je pouvais à peine le supporter. Le mouvement est réparé. Je t'ai eu. Ce ballon d'eau est pour toi. Oh non, ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai trempé jusqu'à la peau. Donne-moi une seconde. Super. Il reste 2 joueurs. Je suis bien. Salut, réveillez-vous. Nous avons de grandes choses devant nous. Nous allons bientôt aller à la chasse. Où est le roi et lui qui va nous rencontrer? Je ne vois pas encore. Mais on va le retrouver. On dira qu'il est passé. La chance m'a souri. L'intuition me dit que notre cible est quelque part à proximité. Mais ça semble bien ici. Il n'y a rien en voyant de l'autre côté. Oui, elle m'a pas vu. Je crois que je peux sentir quelque chose venant de la piscine. Oh, c'est le pied qui pue. Je vais suffoquer. Je pense que ma prochaine cible. Voilà. Il faut l'éliminer. Avant l'attaque au gaz. Allons-y, les amis. Oh non, ce sont des capas. J'ai peur d'eux. Oh non, sortez-les d'ici. Je vous en supplie. Quelqu'un les a plantés exprès dans la piscine. Oh. Salut, Teddy. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Désolée que tu n'aies pas aimé les amis. Il ne reste plus que Betty. Je vais laisser ce magnifique gâteau juste pour elle, en guise de dessert. Il n'y a rien. On continue à chercher. Mouvement détecté. Un mur étrange. Ça sent très bizarre. Mais peut-être que c'est pas vrai. Elle est partie, Dieu merci. Je dois être patiente encore un peu. J'ai une idée. Il faut faire une fausse bêtise. Elle va l'acheter, ça. Je vais la laisser ici, derrière le mur. J'espère que ça va marcher. Oh, qu'est-ce que je vois? C'est Betty. Quelle bêtise. Elle se trouve à la vue de tous. C'est fini, le jeu est terminé. C'est prise. Bon appétit. J'espère que t'as aimé. Oh, c'est bizarre. Pourquoi elle ne réagit pas? C'était pas moi, c'était une poupée. Ah ah. Oh non, c'est non. Dysfonctionnement du système. Je gagne. Yeah, j'ai battu tout le monde. On dirait que ce portail s'est ouvert pour moi. Au revoir, perdante. Vous pouvez imaginer combien ça a coûté. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et toi, tu viens aussi? Wow! Oh, wow! Regardez! Oui, j'ai tellement transformé ma voiture! Elle me ressemble beaucoup, là! Oui, j'adore la couleur rose!
est tellement charmant. Oh, wow! Maintenant, la voiture de Rose est vraiment cool. Allons voir de plus près ce truc. Comme c'est doux! Oui, c'est si agréable au toucher. Non, mais vous avez vu, Cécile? Ouais, t'as vu, Ben? Ouais, elles aiment beaucoup ma voiture. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais faire quelque chose de très cool. J'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton. Après ce truc, elles ne recruteront même pas mon bébé. Cool. Maintenant, je vais la colorer en noir. Oh oui. Ouais, c'est maintenant cool. Il reste quelques petits détails à ajouter. Cool. Ouais, des trucs dorés. Alors, vous avez aimé? Ben, c'est vraiment super cool. T'es tellement brutal. Ouais, pareil pour ta voiture. Ouais, je suis comme ça, les filles. Ouais, et regardez. Ce saut rose, c'est n'importe quoi. Comment faire pour que ma voiture ait l'air plus cool que celle de Ben? Ah, c'est vrai. Ouais. À l'intérieur de ma voiture va être super cool. Tout va être en rose et en peluche. Non, mais regardez ces sièges. Oui, mon ours en peluche. Un peu de mignonnerie ne fait de mal à personne. Et je suis tellement heureuse. Regardez. L'éclairage d'ambiance ne ferait pas de mal non plus. Cool. Les filles, vous aimez bien? Oh, super, Rose. C'est au-delà de toutes nos attentes. Très cool. Ben, qu'est-ce que tu veux ici? Vas-y. Va dans ta voiture ennuyeuse. Hé! Ah, comme ça? Voyons voir quelle voiture la plus ennuyeuse. Bon, je vais te montrer. Qu'est-ce qui va être plus brutal que les chiennes? Ouais, regardez, les chiennes sur la roue. Tout va être du même style. Je vais mettre des bonbons pour les inviter. Et une petite squelette, bien sûr. Maintenant, c'est fait. Les filles, venez. Non. Merci, mais non. Quoi? Non, mais regardez. Ah, ça fait mal. Que faire? Comment les attirer vers moi? C'est vrai. Pourquoi j'ai pas pensé à cela en premier lieu? Pourquoi ne pas transformer la voiture en véritable salon de jeu? Je vais mettre une console juste là. Et ça va pas être qu'une console, mais aussi des friandises. Comme un frigo de coca, tout le monde l'adore. Ça, c'est cool, ça. Tiens, ça. Non, mais qu'est-ce qu'il a inventé, lui? Les filles? Quoi? Non, mais vous êtes où, les filles? Vas-y, vas-y, tiens, comme ça. Peut-être je peux aussi faire quelque chose d'intéressant avec ma voiture. Bon, pour commencer, il faut juste nettoyer un peu. Pourquoi ne pas transformer le coffre en une véritable maison de rêve pour les filles? Ça va être rose, avec beaucoup de poupées et de peluches. Alors les filles, vous aimez bien? Rose, non, mais en fait on est en train de jouer. Non, ça n'a pas aidé. C'est pas juste. Ben, c'est une idée super cool avec du coca. Bon. Alors moi, je vais boire mon smoothie toute seule. Bon, peut-être vous voulez aussi. Marie? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Non, non, les filles, ne partez pas. Moi aussi, j'ai une idée. Juste au-dessus d'ici, je peux faire des hot dogs vraiment savoureux.
Ouais, regardez, c'est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à faire des saucisses. J'adore l'odeur. Lévi, ça va être prêt. Ouais, c'est vraiment super cool. Tiens, c'est pour toi, bon appétit. Alors, Rose, t'en as mangé? Mais j'en ai tellement marre de toi. En fait, je me débrouille bien toute seule. Oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu veux pas arrêter, c'est dégoûtant. C'est aussi très bruyant. Les filles l'adorent. Ben, t'arrêtes pas. C'est super cool. Ne sois pas jalouse, Rose. Alors, elle va à une discothèque? Très bien, on la voit. Elle va être encore plus cool que la guitare de Ben. Je vais créer mon propre club juste à côté du coffre de ma voiture. La lumière. Et ouais, le boule disco. Ça va être une atmosphère de la boîte de nuit. Et bien sûr. Ouais. Je suis DJ. Les filles, venez. Oh waouh. J'entends quelque chose de super cool. On arrive. Hé, vous allez où? Ouais, super. On adore. Non, mais les filles, n'importe quoi. Rose, qu'est-ce que tu fais ici? Vas-y, faisons la paix. Viens plutôt chez nous et danse. Vraiment? Avec plaisir. Rose, Ben, c'est une soirée super cool.